Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence et dans cette vidéo c'est la suite donc du test du DJI Mavic 2. Donc j'ai commencé par le tester en intérieur pour valider sa stabilité. J'ai ensuite été dans une deuxième vidéo en extérieur dans une forêt de pins pour vérifier que la fonction Active Track 2.0 était véritablement plus efficace et permettait d'éviter les obstacles en conditions donc réelles. Et ça a vraiment bien fonctionné. Donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo et dans cette troisième vidéo on est parti au bord de mer en Espagne à Malaga et je vais le tester en conditions d'extérieur. Voilà, je suis arrivé au bord de mer. Je sais pas si vous m'entendez bien ou s'il y a du bruit. Premier test que je vais faire avec le Mavic 2 Zoom, ça va être le test de le faire voler au-dessus de la ville. J'avais des problèmes en fait de portée avec l'ancien, le Mavic Air, c'était vraiment pénible. Et là je vais faire aller un petit peu loin pour tester un peu la distance maximale à laquelle je peux aller. On va voir aussi un petit peu la rapidité, stabilité, en fait ça va être test en conditions réelles. On va essayer de faire des belles images au-dessus de la ville de Torremolinos, au bord de mer, à la plage. Donc je me prépare et je fais voler le drone. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, try to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. Calling on you, I think we're made of something. Allez, on quitte la plage et direction Malaga. Donc Malaga, c'est une demi-heure de Torremolinos. Et vous allez voir que Malaga, c'est une très très belle ville qui a été très intéressante à filmer. Il était 6h du soir, donc la lumière commençait à être un peu plus basse et ça donne ça. Et voilà, c'était la ville de Malaga, j'espère que ça vous a plu. Le dernier test qu'on fait, bah, c'est Miras Pueblo. Vous allez voir, Miras Pueblo, c'est un village tout blanc dans les montagnes. Et j'avoue que ça a été très très joli à filmer. Donc on est parti pour filmer Miras Pueblo. Thank you.
voilà, la vidéo s'arrête ici. C'était le test du DJI Mavic 2 Zoom. J'espère que le test que j'ai fait vous aura plu. Alors, je suis rentré dans le détail de quelques fonctions, mais pas trop. Je veux pas que ça soit une vidéo trop technique, en fait. L'idée de mes vidéos, c'est de faire des vidéos en conditions réelles, de voyage. Comment utiliser le drone quand on voyage et quelles sont les fonctions les plus sympas à utiliser. Voilà. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça serait cool. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, bah, je vous remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie, d'évasion, de produits techniques, de micros, de caméras, de perches, de plein de trucs et de drones. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.